À vous, nous sommes le dimanche 8 octobre et il est 10h. Donc aujourd'hui, ben, je suis entre guillemets en vacances. J'ai fait pas mal d'heures, donc je suis en récupération. J'ai au moins 2 semaines à récupérer. Donc pour l'instant, on m'a donné 1 semaine. Donc j'ai profité pour faire quelques travaux tranquille. De toute façon, je suis pas pressé. Je m'étais donné jusqu'à juillet, mais comme vous le voyez, j'ai dépassé. Mais bon, rien ne me presse. Et comment, faut savoir prendre son temps. Et de plus, je vous rappelle que j'y suis que le dimanche. Quelques jours quand je suis en vacances, mais je passe pas toutes mes vacances à faire les travaux non plus. Mais ça prend forme. C'est vrai que je suis pressé de partir quand même avec le cœur. Mais bon, chaque chose en son temps. Ça se termine. On envoie le bout. C'est pas non plus... Est-ce que vous entendez taper, hein, c'est les glands qui tombent sur le cœur. Et voilà. Donc, je vais vous faire voir ce que j'ai acheté. J'en ai eu pour 460 €. Donc, j'ai des tuyaux PVC pour passer toute la plomberie. Les bacs à eau, donc je vais les acheter. Oh. Je vais les acheter plus tard. Parce que le budget n'est pas illimité. Hein. Ça, c'est pareil. Hein. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Et comment... Donc, j'ai les tuyaux PVC rigides. J'ai acheté un bout de 1 mètre en flexible. Et j'ai... Donc ça, c'est dehors. J'ai acheté... je vais vous mettre... Que vous me voyez bien. Inversé, voilà, en 16-9, voilà, donc, ici ça sera pas mal, donc là, ici, et voilà, je pense que ce sera pas mal du tout, voilà. Alors, j'espère que si vous ne voyez pas entier, c'est pas grave. Donc, j'ai 25 mètres de tuyaux PVC. J'ai acheté ceci pour les toilettes. Il y a mon père qui m'a donné un raccord aussi. Donc, il vient en prolongement celui-ci. J'ai un kit pour mon évier. Donc, c'est un kit. Il y a tout ça dedans. Ok, voilà. Je me rappelle plus du prix de ça, mais c'était pas si élevé que ça. Donc là, j'ai pris des raccords d'évacuation. Ça, mais flexible. Oui. J'ai racheté de la peinture noire. Voilà. Hop. J'ai racheté de la peinture noire, tout métaux, carrelage, verre,
en satiné. C'est la même peinture que j'avais acheté l'autre fois. Ça résiste donc sur le carrelage, sur les carreaux, le verre, sur le bois, le béton, sur le métal. Ça résiste à la température pour comme style radiateur. Donc, ça c'est pas perdu. Mes flexibles tressés. Donc pourquoi j'en ai autant? Vous verrez, parce que ça va vite. Hein. Entre raccorder le l'évier, raccorder, donc c'est déjà deux. Raccorder comment le lavabo, c'est deux aussi. Raccorder la douche, c'est deux aussi. Je vais bouger le cœur. Parce que... Donc j'ai pris une évacuation pour la douche. J'ai pris du silicone blanc. Car quand je vais poser mes plaques dans la salle de bain, donc c'est des plaques PVC, comme le sol, c'est du PVC, en 5 mm. Et il est noir, enfin plus ou moins gris. Il est une couleur ardoise. Et je veux voir un liseré blanc. Et en plus, ça servira d'étanchéification supplémentaire. Comme ça, je vais mettre une légère bande toute fine. Donc, des colliers pour comment fixer mes tuyaux PVC. Logiquement, ça j'en ai assez. Au pire, j'en rachèterai. Je mets ça, oui, mais bon, j'aurais peut-être même pu mettre des circlex. Là, j'ai ma bonbonne pour la douche. Pas la douche, mais mon vasque de la salle de bain. Eh bah oui, la bonbonne, elle est là aussi. Pour l'évier de la cuisine. J'ai acheté de la colle aussi PVC pour raccorder tous mes tuyaux. Alors faites bien attention quand vous faites, parce que je vois donc comme mon évacuation de lavabo. Là, la sortie, elle est en 32. Elle n'est pas en 40. Et moi, je veux que tout sorte en 40. Donc, j'ai pris du 32 et avec un adaptateur pour que je puisse réduire, enfin, augmenter le diamètre en 40. Donc, le petit manchon, il est là. C'est celui-ci. C'est un, en gros, ça vient comme ceci. Et ça, c'est du 40, comme ceci. Voilà. Comme ça, imaginez, bon, imaginez ça, comme ça, l'évacuation, et là je viens raccorder, et là il risque pas de fuite parce que tout est emmanché dans le sens inverse. C'est pas dans ce sens-là. Là vous pouvez coller, mais c'est un risque de fuite. Il faut que ce soit comme ceci. Là vous êtes sûr et certain que même s'il n'y a pas de colle, eh ben, il n'y a pas de fuite. J'ai racheté mes petits raccords. Donc, j'ai pas de pince à sertir. Je voulais pas acheter ça parce que ça, si c'est pour servir une fois et dépenser 40 ou 50 balles dans une pince, c'est pas la peine. Plus le prix des raccords. Ça, ces raccords-là, il n'y en a pas pour plus cher que les raccords de PVC sertis. Et c'est à pression. Plus vous serrez, plus ça serre. Donc, risque de fuite, zéro. Et vous avez un joint aussi. Non, il n'y a pas de joint sur celui-là. C'est bizarre. Si, il y a des joints. Il y a deux joints incorporés dedans, deux petites rondelles noires. C'est bien ce qui me semblait qu'il y avait un joint. Donc, vous mettez, vous coupez votre tuyau proprement, vous l'encastrez dedans, vous serrez, et ça vient sertir, serrer, et risque de fuite, zéro. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter le truc blanc, là, c'est du nylon, non, du... Je sais plus comment on appelle ça. Bref, ça ressemble à un rouleau de scotch blanc. Et c'est du typhon. Bref, je sais plus. Donc, mes nourrices avec les robinets de fermeture. Donc, j'en ai pris 4 pour l'eau chaude. Bien que normalement, il n'y en aura que 3 qui vont me servir. La quatrième,
Ce sera pour une douchette extérieure. Et là, donc là, en eau froide, j'en ai pris une de plus. Parce qu'en sortie eau froide, j'en ai plus, forcément. Le lave-vaisselle, il n'y a pas besoin de sortie d'eau chaude. Et au niveau de lave-linge, c'est pareil. Et voilà, en gros, hein, tout ce que j'ai eu. Allez, go, je me mets au boulot. Et oui, pour ça, ben 460 euros. Ça fait de l'argent, enfin bon. Pour faire une maison, ça coûte moins cher quand même. Enfin, par rapport à une maison, je veux dire. Allez, on va commencer à fixer les plaques qui ont été. Il faut que je retrouve aussi les embouts qui correspondent. Comme ça. Je vais trouver ça. Mettre ça ici que ça gère pas. Hop là. Bon petit café solaire. Donc pour ceux qui cherchent aussi une cafetière qui. Ah, une machine à café qui fasse un bol de café. Je pense que si vous mettez je connais pas la Senseo ni les autres cafetières, enfin machine à café je veux dire, mais en tout cas la Trasimo, le bol, donc un bol standard blanc transparent je veux dire, là vous voyez on arrive sur le fond, mais bon, jusqu'au trait du haut une dosette, et ce sont des dosettes donc un bon café fort. Donc c'est de l'intense, de l'or, Trasimo Intense XL. Ben, une dosette comme ceci, parce que ben, la machine à café, ça marche avec des codes-barres. Ça fait des années que je connais ça. Ça marche avec des codes-barres, la machine elle reconnaît ce que vous mettez dedans. Aussi bien donc du café XL, ou un petit café, ou style un petit... un petit chocolat Milka, super bon. Bref, il y a plein de goûts. Vous pouvez prendre du thé ou peu importe. Enfin bref. Et donc avec le code barre, à quelle température doit sortir le café, la taille du contenant et tout un tas de paramètres. Voilà. Allez, go. Pour ça que j'aime bien celle-là parce que fait du super café avec. Et avec un bol entier, donc le café il est bien intense, hein, comme c'est écrit sur la boîte. Et il est super bon. Alors. Donc bien sûr, hein, j'ai acheté aussi un autre café. De l'or aussi. Mais pour des tasses, au cas où on a des invités, ben, vous sortez un petit mug ou une tasse à café. Et c'est pour une quantité de café plus réduite. Il me faut alors la perceuse. Hop. Que je m'avance. Peut-être bien que je vous mettrai en time-lapse comme ça. Ça, je vais mettre ça là parce que c'est un truc que je cherchais que je n'avais pas trouvé. Hop. Allez, ça c'est parti. C'est le bon embout. Voilà. Ma plaque, elle est ici. Ah, c'est presque la... Ouais, c'est la même teinte. Je la trouve très légèrement plus... Ouais, ça dépend. Ouais. Légèrement plus foncé. Alors que je fasse attention à ne pas abîmer ce que j'ai fait, parce que quand on arrive sur la fin des travaux, eh ben le but c'est de ne pas abîmer quand même. Donc là on dévisse. Hop.
Et voilà. Je vais mettre quand même quelque chose pour protéger ma plaque à induction. Parce que je l'ai nettoyé ce matin. J'aurais pas qu'il arrive quelque chose dessus. Donc, ça c'est OK. Ensuite. C'est pareil, je vais poncer mes meubles, les tiroirs que j'ai pas finis. J'ai pas mal de choses à faire, faut que je fasse l'encadrement dans la chambre, c'est pareil. Là, je regardais comme je vous disais avant, je regardais quelques vidéos que j'avais postées, du moins qui sont pas encore sorties à l'heure actuelle, mais j'avais programmé. Donc, dans mes vidéos, j'ai dit que je mettrais un petit truc là derrière, et que, oui, j'ai toujours pas nettoyé. Et que, oui, c'est fermé. Donc, l'aimant est là, faut que je mette un petit truc là ici pour savoir que c'est bien ici qu'il est l'aimant. Donc là, je vais le réduire. Comme ça, ici, ça m'évite de mettre quelque chose. Je veux pas voir quelque chose au plafond. Donc là, je vais le réduire de un bon centimètre. Derrière, donc, il y aura une lame de 3 cm environ, 3-4 cm en bordure. Comme ça, l'effet, le trou là, vous le verrez plus. Et je le verrai plus, bien sûr. Et comme ça, je peux ouvrir ma porte en grand. Et il n'y aura rien qui va gêner. Et ça fera beaucoup plus propre. Et en même temps, on verra à l'œil, on verra pas autant l'écart qu'il y a ici et ici. Il y a une différence parce que le plafond, je vous rappelle, il est de biais. Il est voûté. Donc voilà, vous savez, au départ, quand on fait des travaux et on réfléchit pas forcément à ce que on va faire par la suite, du moins, quand on installe un truc comme ça et puis qu'il vient ce problème-là, on dit la première chose qui nous passe par la tête, mais après, à y réfléchir, hop, solution trouvée, comme je viens de vous l'expliquer. Allez. Donc là, ça, c'est pas grave, hein, puisque je vous rappelle qu'il y aura une cornière comme ceci qui viendra sur le côté. Je vous rappelle qu'il faut un bord de minimum 5 mm pour tout ce qui est au-dessus d'un mètre de hauteur. C'est la réglementation pour la VASP. Là, j'en mettrai une aussi, donc ça fait rien si c'est pas teint ici. Et là, c'est pareil, il va y avoir une baguette ici pour pouvoir poser des choses ici si on veut. Et en même temps, la baguette, comme elle sera assez large comme celle-ci, donc elle cachera la bandelette qui ira dessous. Là au fond, la créance. Allez, go. Bon, voilà ce que j'ai fait là. Nickel. J'ai fait les arrondis. Ce sera pour la boîte à air. Donc tout est bien lisse. Il n'y a pas d'angle saillant. Je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Ça fait un arrondi quoi. Ça se voit pas sur la caméra, mais je peux vous garantir que il y a bien un angle bien propre. Bon, alors ensuite, j'avais mis ça en route parce que j'avais la fille de la voisine, enfin du propriétaire, qui est venue regarder un peu la télé. Donc, voilà ce que j'ai fait en attendant. Alors, j'ai fait ceci. Donc maintenant c'est mis en place, ça bouge plus, c'est fixé au mur. Et par rapport à l'espace de vie, ça prend pas beaucoup de place. Et là j'ai la plus belle couette du monde. Et ouais. Soyez pas jaloux pour ceux qui sont fans de One Piece. Ouais, ça c'est de la couette. Donc je vais mettre mes plinthes qui sont ici, ici,
et ici. C'est pareil, j'ai fait ça, j'ai tout mis en place. Alors j'ai mis ça pour l'instant parce que en plein soleil, je vous garantis qu'il fait chaud. Donc tout l'entourage est mis en route, enfin mis en route et posé. De l'autre côté, pareil. Donc la poignée, j'ai mis là pour le moment. Enfin, c'est pas une poignée, hein. C'est juste pour maintenir la porte ouverte. Voilà. Ensuite, voilà, bon, rien n'a changé. Bah, j'ai tout mis en place, hein. Ce qui a été teint, ça. Voilà. Donc, ensuite, bah là, ça a été mis en place aussi. Partout. Là aussi. Donc, comme vous l'entendez, hein, j'ai tout mis en route, hein, parce que là, en plein cagnard, là, je sais pas combien il fait dehors, mais je vous garantis que dehors, il cogne. Ça cogne. Enfin, il fait chaud, quoi. Bon, je vais éteindre la télé avant que on me dise sur YouTube les droits d'auteur. Parce que l'autre fois, quand j'ai mis la, pour la première fois en route, donc c'était une émission sur. Une émission, c'est un grand mot. C'était comment. Charlotte aux fraises, ou je sais pas quoi. Enfin bref. Et ça m'a marqué le droit d'auteur. Mais sans conséquence. Bon, oui. J'ai passé un bon coup de nettoyage sur la plaque. Et je vais continuer. Là, je rachèterai des rouleaux parce que les rouleaux qu'on a utilisés, ils sont noirs. Donc là, ça, c'est pour peindre en noir. Donc, je passerai un bon coup de peinture. Et il me reste un pinceau d'ailleurs. Donc je ne sais pas si je vais l'utiliser pour faire la peinture. Il est ici. Ce serait l'idéal, je pense. Ouais. Pas un truc trop large, ça sert à rien. Au moins, je vais pouvoir passer correctement. Là, il faut que je passe un coup de ponceuse. Et ça se verra plus. Allez, go! Voici. La plinthe a été posée là, a été posée ici et là tout le long. Voilà. Allez, go. Bon, voici. Donc voici ce que j'ai fait. J'ai fixé ça. J'ai fixé ça. Bah, le robinet là il bouge pas, hein. Juste ça et ça qui bouge. Hop. Là les petites molettes là, on peut régler l'intensité de serrage. Bon, faut que je le dépoussière parce que il y a de la poussière dessus. Donc bien sûr c'est amovible. Ça me fait un bel évier bien profond. Regardez par rapport à mon bras. J'ai. Oh, il y a bien 30 cm là. Je vais pas le mettre avec moi. Bref. Donc, j'ai mis une fixation ici qui sera peinte en blanc. Donc, tout ça, on verra plus. Hein. Je vais mettre de la pâte à bois pour cacher les vis. Et peint en blanc. Pourquoi? Bah, parce que ça, j'ai pas envie que ça bouge. Il y a juste sur. Allez, il y a. 8, 9 cm. 9-10 cm là.
et j'ai pas envie que ça se fragilise ici. Donc là, j'ai mis ça en renfort pour pas que ça bouge. Bien que de l'autre côté, c'est fixé. Parce que, là, on peut le bouger, hein. Enfin, le bouger. On peut essayer, ça bougera pas. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait ceci. Donc oui, là j'ai rebouché. Je vais modifier parce qu'il a fallu que je descende. Parce que là, c'est... c'est plus bas que prévu. À moins que je modifie plus tard. Je verrai ce que je trouverai. J'aurais trouvé un truc comme la douche. Mais il faut une double sortie. Pour l'évacuation qui se passe sur le côté là. Hop. Donc. Là, le compteur, je vais le déplacer. Je vais le décaler plus par là. Là, il faut que je remette. J'ai pas encore fait, mais comme le bois il a bien séché, ben, ça s'est écarté. Donc je ferai une patte comme, comme j'ai fait pour le reste du bus. Comme ça, ça fera bien propre. Là, je vais mettre un cache et le compteur viendra par-dessus. Je vais le décaler. Boum. Donc, j'ai connecté la machine à laver. Donc, le tuyau là, il est légèrement en pente, comme ça. Et tout est fixé. Je vous conseille, quand j'ai acheté le lot, là, d'acheter pas le premier prix. Parce que j'en ai vu en premier prix. Et j'ai regardé. Bah, la différence de prix, elle est justifiée. Parce que déjà, le plastique, c'est pas du tout la même qualité. Celle-ci est bien plus rigide. Le plastique est bien plus qualitatif. Et en plus, vous avez les joints avec. Dans toutes les parties où il faut serrer, vous avez les joints. Que les trucs premier prix, vous n'avez pas de joints. Vous savez, les rondelles noires. Et ben, il n'y a rien. Donc, vous payez pas cher, mais vous en avez pour votre argent. Donc là, je vais vous mettre en time-lapse. Et puis, ben, c'est parti. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai connecté la bonde. J'ai commencé à peindre et je me suis dit, oh, je vais faire un timelapse. Donc, j'ai connecté la bonde qui se trouve là-dessous. Alors, est-ce que je vais arriver à l'enlever? C'est pas évident. C'est avec la peau. Ah non, je peux pas y arriver. Si, c'est bon. Donc là, je ne l'ai pas fixé parce que comme il y a plein de poussière de bois, je vais enlever ça. Rincer d'abord, une fois que mes cuves seront connectées. Bien tout laver. Et ensuite, je mettrai le filtre. C'est un filtre anti-odeur et anti ben, tout ce qui est cheveux, poils, tout ça. On peut enlever facilement. Et ça se lave, ça se jette pas. Donc pour l'instant, je le laisse là. Hop. Voilà. Je vais continuer. Ben, ça, vous avez vu tout à l'heure. Donc, j'ai fait toutes les plaintes. Ma super couette, je le répète. Donc là, je vais vous mettre en time-lapse. Peut-être ici. Je vais inverser la caméra comme ça. Ouais. Et moi je verrai ce que je filme en même temps. Je pense que ici ce sera pas mal. Ça fait pas terrible là. Si je mets dans le coin. Alors qu'est-ce que vous voyez? Ah si, vous voyez une partie du haut. Et ben c'est parti. Donc je vais vous mettre en time-lapse. J'arrête la vidéo, je passe en time-lapse. We'll be right back.
mettre la plaque. Il me reste ça en peinture. Alors, on voit mal le niveau. Ah bon, il reste les faciles les trois quarts du pot. Ah là 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 là. Heureusement c'est sec. Ouf. Le bol que j'ai eu. Ah. Non, ça suffit. Oui, rien. Ouf. Heureusement que cette peinture qui sèche assez rapidement. Ça, faut que je le mette à tremper. Donc, j'ai fait ceci. Donc, j'ai débordé un peu sur le blanc, pas grave. Un peu comme là. J'en mettrai un bon coup de blanc propre. Et là, de toute façon, je vais mettre une baguette d'angle. Enfin, un champ plat ici. Juste à ce niveau-là, entre le blanc et le noir. Parce qu'il y a des trous ici. Là, il y a un trou. Il ne va plus aller dedans. Donc tout ça, ce sera rebouché avec un champ plat de 2 à 3 cm de largeur. Qui sera noir, bien sûr. Sur le côté, là, pareil. Un champ plat. Ici. Et là, une baguette d'angle noire. Comme ça, ça sera noir, blanc et noir. Donc, voilà. Oui, là, j'ai mis un coup de pinceau là aussi. Là, je vais mettre un coup de blanc. Sur la tâche là, un coup de blanc. Et là, de toute façon, il vient en continuité. Une baguette, parce que là, il y a un léger trou là de 1 mm. Donc là c'est pareil, ça va venir tout le long, une baguette d'angle comme celle-ci, qui sera ici en continuité. Ça fera bien propre. Vous vous doutez bien que si je me casse le cul à faire un camping-car comme ceci, hein, c'est pas pour bâcler le boulot. Hein. Donc, là, c'est une peinture qui est étanche, hein, je vous avais déjà dit, qui résiste sur les radiateurs. Ah, oh, j'ai pas fini ici. Ah là là, j'ai rouvré tout de suite, avant que le pinceau soit sec. Donc là, j'en ai passé un bon coup tout autour. Hop, là aussi. Comme ça, après, il me restera un bon joint à silicone à mettre. Et cette peinture-là, je vous rappelle que, pour les anciennes vidéos, si vous vous en rappelez, bah, ça fait une pellicule en plastique. Donc c'est étanche. Allez, je fais ça tout de suite avant que c'est sec. Allez, il est 17h30. Donc c'est l'heure que j'ai pas dit tout à l'heure. Et voilà, j'ai passé un coup. Là, c'est fait. Et là, c'est normal que j'ai pas été peindre à l'intérieur ici. Parce que là, j'ai redonné la pâte à bois ici, boucher, repeindre en blanc. Peindre ici en blanc, dans le coin, tout du long qui était dépassé. Et ensuite, moi, j'ai ma baguette qui vient pour coincer, vous savez, c'est un U en PVC ou en aluminium, peut-être que je vais mettre. Et c'est pour ça que là, j'ai peint aussi dans l'angle, de toute manière. Là, j'ai ma baguette qui va venir et mon pexi qui va venir s'encastrer dedans. Il y aura de la colle, du silicone dedans. Comme ça, je viendrai, tout sera bien étanche. Et puis voilà. Et puis voilà. Et là, il faut que je rachète du bois pour finir ici. Parce que j'ai pas envie de faire des raccords avec des bouts, j'ai pas assez long. Avec les chutes qui me restent, j'ai plus assez long. Donc là, ça sera bouché dès que je reviens. J'ai vu une coulure, là. Ça me plaît pas. Avant que ça sèche et que ça fasse un bourrelet. Voilà. Voilà. Hop. Comme ça,
ça risque rien du tout. Donc là, je vais revenir avec une épaisseur de 15 mm dessus, sur le côté, et partir de biais. Je vais pas me prendre la tête à faire des trucs carrés comme ça, toc toc, alors qu'on ne mettra jamais les pieds par là-bas. Alors c'est pour ça que je vais partir de biais jusqu'à l'extérieur. Et ce sera nickel. Ce sera bien plus fiable, étanche. Donc voilà, donc ça, je laisse ça ici. Allez, sur ce, je vous laisse. J'éteins et je fais une vidéo du comme si je faisais un petit tourbus.